Alors c'est vrai, avec ce look très méchant, extravagant, sportif, le Range Rover Sport SVR paraît bien loin de la tradition du constructeur. Et notamment du Defender, premier modèle de Land Rover et pur baroudeur. Il faut dire qu'au fil du temps, les Land ont beaucoup évolué, mais toujours en préservant leur âme de tout terrain. En 1970, le premier Range Rover marque l'invention du 4x4 de luxe. La marque maîtrise alors l'aventure, le luxe donc. Il ne lui manque plus que le sport. En 2014, c'est chose faite avec une version très méchante signée SVO, le département des véhicules spéciaux tout juste relancé. L'acronyme SVR arrive alors pour la première fois sur un Range avec de grandes ambitions. Aujourd'hui, ce V8 a été porté à 575 chevaux avec un look encore plus agressif. Regardez un peu ce capot en carbone et ses immenses entrées d'air. Ce Range SVR est un véritable monstre et c'est encore pire quand on le démarre. Avec son design, ses performances et son niveau de luxe hors norme, le Range Rover Sport SVR a de quoi attirer des clients fortunés qui cherchent l'extravagance et l'exclusivité. Mais depuis peu, un autre SUV marche très sérieusement sur ses plates-bandes. Voici le Lamborghini Urus. Et tout comme le Range SVR, il est loin de la philosophie de base de la marque. Lorsque Ferruccio Lamborghini devient constructeur automobile en 1963, il veut créer les plus belles sportives du monde. Il se spécialise donc dans les supercars. Pourtant, dès les années 80, Lamborghini fait une première tentative remarquée dans le monde du 4x4. La marque décide de créer un véhicule tout-terrain suite à un appel d'offres de l'armée américaine. Le projet ne sera pas retenu, mais la firme italienne produira tout de même une version de série, le LM002, équipé du V12 de la Lamborghini Countach. Aujourd'hui, avec le Urus, la marque capitalise sur ce passé en revenant au SUV à l'heure où la demande explose. Tous les constructeurs y passent. Rolls-Royce avec le Cullinan, Ferrari d'ici peu. Et dans le groupe Volkswagen, qui possède Lamborghini, on est carrément spécialiste en la matière. Presque toutes les marques de luxe ont leur SUV. Audi, Porsche, Bentley, c'est devenu la norme. Et c'est donc comme ça qu'on se retrouve aussi avec un SUV Lamborghini. Alors niveau look, niveau design, pas de problème, hein. On reconnaît le style Lambo au premier coup d'œil. Et puis avec 650 chevaux sous le capot, les performances sont également au rendez-vous. Mais à y regarder de plus près, le V8 biturbo est celui du Porsche Cayenne, le châssis est celui d'un Audi Q8 et les suspensions sont celles d'un Bentley Bentayga. Alors tout ça bien sûr a été retravaillé par Lamborghini. Alors que vaut ce Lamborghini Urus en tout terrain face à son adversaire anglais? Et puis est-il plus rapide que le SVR sur circuit? Nous allons les opposer sur les deux terrains. D'abord, sur le bitume de notre circuit chrono. Voilà Anthony, on a du lourd. Hein. Ah, c'est assez gros. Hein. Mais on avait déjà chronométré des SUV sur notre circuit, ouais. Et franchement, c'était pas mal. Mais là, c'est quand même la taille au-dessus. T'avais été un petit peu sceptique quand même. Hein, j'étais sceptique SUV, parce que c'est vrai que c'est énorme, c'est très lourd. Mais finalement, franchement, les constructeurs ont fait beaucoup de progrès. C'est pas mal. Et là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec celui-là. Bon, là, c'est encore plus gros, mais c'est forcément encore plus puissant. Écoute ça. Je pense que tu vas m'entendre tout le tour du circuit. Bon, t'es prêt? Archi prêt. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, départ impressionnant pour le Range SVR dans un vacarme assourdissant. Quel son ce V8 fabuleux. Tout de suite, première sensation, c'est le confort. Eh oui, hein, comme un vrai Range Rover, il chouchoute ses occupants. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais roulé sur circuit avec autant de confort. Bon, ça arrive vite. Sans le poids quand même. La direction est hyper assistée, très légère. Difficile de sentir le grip. Ah, ça freine bien par contre. Hein. Ça freine bien mais ça tourne pas.
Regardez, Anthony est emporté malgré lui vers l'extérieur du virage. Et les 2 tonnes 3 du SVR sont ensuite catapultés vers le virage à l'aveugle. On voit que la voiture est très lourde, il faut se concentrer. Oui, Anthony, ça rigole pas. Mais il se débrouille pas si mal que ça, ce mammouth. Les pneus crissent ici, dans ces virages rapides. Le poids et la hauteur du range se font sentir. Attention, dernière ligne droite, avec la vitesse de passage instantanée sur la ligne d'arrivée. Ça souffle. Allez, c'est maintenant au tour du Lamborghini Urus. Voyons un peu ce dont il est capable ici. Bon, Tony, t'as pris place dans ce fameux Lamborghini Urus. Premières impressions déjà comme ça? Juste à l'intérieur, ça me paraît un petit peu moins classieux que le Range Rover. Mais par contre, c'est plus racé, hein, plus sportif. Ouais. Mais pour une Lamborghini, je m'attendais à un V12 ou au minimum un V10. Bon, t'as déjà un V8 et je peux t'assurer qu'on va t'entendre partout sur le circuit. Là. Tu crois ça? On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, go! Top départ pour le Lamborghini Urus qui réalise un départ digne d'une super sportive. Avec un 0 à 100 km/h parcouru en 3 secondes 6, c'est très, très rapide. Résultat, Anthony arrive déjà dans cette fameuse compression, sans souci pour le Urus. C'est ferme! Le châssis, c'est un bout de bois. Incroyable pour un SUV. Et regardez, il vire pratiquement à plat, c'est vraiment impressionnant pour une voiture de cette taille. Il plonge maintenant dans l'épingle, il y a tout de même 2 tonnes 2 à stopper, mais le freinage est efficace et l'électronique fait bien son travail. Le train avant est impressionnant, hyper incisif, pas du tout de sous-virage. Les 650 chevaux sont tous au rendez-vous, le Urus fonce à toute allure. Quel freinage! Impressionnant! Et regardez, Anthony est même obligé de se battre pour les dompter. Je crois qu'il a adhéré hein, finalement au V8 biturbo. Et attention, la dernière ligne droite avec toujours la vitesse instantanée sur la ligne d'arrivée. Un simple indice. SUV sportifs sont-ils aussi de vrais baroudeurs? Direction l'épreuve chrono off-road pour le vérifier. Sur notre piste tout-terrain, nous avons défini un parcours qui mêle terre, sable et ornière. Je serai au volant parce qu'on veut mesurer ici la facilité d'utilisation en tout-terrain. Et ça tombe bien, je ne suis pas un pilote spécialisé et c'est justement ça qui est intéressant. Nos deux SUV ont gardé leurs pneus typés circuit et leurs très grandes roues. Ici, ce n'est pas un avantage. On va voir comment ils s'en sortent. Deuxième manche de notre match des gros SUV sportifs, le chrono off-road, avec une contrainte, ne pas dépasser les 40 km/h. Alors, 40 km/h, ça vous semble peut-être pas beaucoup, mais vous allez le voir que je ne suis même pas sûr d'atteindre cette vitesse sur notre parcours. Et puis, il ne faudrait pas non plus les abîmer, puisque le Lamborghini Urus débute à 205 000 euros et notre Range SVR vaut, lui, 176 000 euros. Ça commence à faire. On va appuyer sur ce bouton ici pour faire monter la garde au sol et la faire passer de 21 à 28 cm. Et puis après, on va appuyer sur ce gros bouton. Là, ça s'appelle le terrain response. Et ça veut dire que ce range va eh bien, reconnaître le terrain sur lequel il se trouve, hein, de la neige, des graviers, du sable, et adapter sa conduite tout terrain. C'est un peu comme si vous aviez des semelles intelligentes en dessous de vos chaussures. Alors normalement, c'est ultra efficace. On y va? 3, 2, 1, go! En termes d'accélération déjà, on voit qu'il y a de la puissance. Hein. Bon là évidemment, ça passe ultra bien, on a beaucoup de garde au sol. On est dans un tank, hein. Ça veut dire que
Ça passe partout, ça passe très bien. Hein. On n'est finalement pas vraiment secoué. C'est assez surprenant, malgré la taille du bestiau. Ben, c'est ça l'avantage hein, avec Range, c'est qu'ils savent vraiment faire des tout-terrains. Hein. C'est un truc de ouf. Ce terrain response là est ultra efficace. Il y a une excellente motricité. Alors on voit hein, évidemment que l'électronique travaille. Mais alors ça le fait dans une simplicité et une efficacité. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Place au Lamborghini Urus. Alors ici, il faut choisir hein, son mode de conduite tout-terrain. Vous en avez trois, sable, terre ou neige. La voiture va ensuite eh bien, monter, hein, un peu comme le Range SVR, sauf que cette Urus, il va monter beaucoup moins. 24 cm de garde au sol au maximum, hein, c'est 4 cm de moins que le Range Rover. On va voir ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1, go! On va attaquer la première côte un petit peu moins fort parce qu'on a un petit peu moins d'angle d'attaque hein, que sur le Range. La partie sablonneuse, vitesse constante. Et c'est pas mal, hein. Il y a quand même un gros travail hein, de l'électronique ici pour aller chercher l'adhérence. En fait, le problème, c'est que comme c'est une Lamborghini, finalement, on a un tout petit peu peur de la planter et de l'abîmer. Hein. Autant avec un Range, on sait que c'est un Range, donc on sait que ça va passer. Autant avec une Lambo, on est un petit peu hésitant. Mais franchement, il n'y a pas de quoi, hein, parce que ça passe quand même pas mal, cette histoire. Hein. On sent vraiment que l'électronique gère absolument tout. Allez, le gros virage serré. C'est quand même surprenant. Hein. Pour un engin de 650 chevaux, ça passe quand même ultra bien et ultra vite. Hein. Allez, la descente. Sur une nouvelle fois l'électronique qui va travailler. Il y a un peu comme une aide à la descente. Hein. Et le passage sur la ligne. De retour dans la maison Automoto. Alors moi, je me suis éclaté en tout terrain, mais avant d'en parler, Anthony nous a rejoint parce que, évidemment, on va revenir sur tes chronos, hein, sur notre circuit vitesse avec ces deux voitures qui elles sont pas trop faites pour ça, hein, normalement. Une nouvelle fois, j'ai été bluffé. Parce que quand tu vois le gabarit, la masse de ces deux voitures, et ben finalement, j'arrive à prendre du plaisir sur circuit. C'est quand même ultra performant. Il y a juste le Range, j'étais un petit peu inquiet quand j'ai vu qu'il n'était pas équipé de freins céramiques. Ils ne sont même pas ventilés, c'est-à-dire des petits trous dans les freins. Ouais. Je me suis dit... Parce que ça peut chauffer vite, hein, du coup, des freins comme surtout ça. Surtout quand tu as un tel poids, ça, au bout de 5-6 virages, normalement, tu perds les freins. Et ben là, pas du tout. Bon, et puis, cette Lamborghini, Anthony, alors? Ah ben là, on est dans l'ADN Lamborghini. Ouais. Hein. C'est sportif, c'est racé. Je te confirme, c'est bien une Lamborghini. Ben justement, je voulais savoir, toi, comment ça s'est passé en tout terrain. Bah, franchement, faut voir. Ça reste quand même très rapide, que ce soit pour la Lamborghini ou pour le Range Rover d'ailleurs. Hein, mais niveau chrono, je ne pourrais pas te dire. Hein, mais ça, justement, on va en reparler parce qu'on va évidemment vous révéler ces chronos et sur circuit et sur tout terrain. Olivier Vittard, notre tonton technique, est également ici. Mais pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, regardez ce qu'il s'est passé tout à l'heure. 3. Précédemment, dans Automoto, nous avons chronométré deux SUV ultra sportifs tout en muscles. Le Range Rover Sport SVR et le Lamborghini Urus ont montré toute l'étendue de leurs capacités sur tous les terrains. Le bitume, le sable, la terre, les ornières, nous les avons mis à l'épreuve. Alors, cette jolie bestiole jaune a tourné sur notre circuit en 1 minute, 34 secondes. Et 890 millièmes. D'accord. Il est une seconde hein, plus rapide que l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. C'est pas mal. Alors évidemment, il est plus puissant, mais il est également beaucoup plus lourd. Alors, vas-y, dis-moi. Le Range Rover Sport SVR a tourné en 1 minute 40 secondes et 729 millièmes. Ça veut dire qu'il y a
pas loin de 6 secondes d'écart hein, ouais. entre les deux voitures. Olivier ? En 3 points, le premier, toujours le rapport poids-puissance. 75 chevaux de plus pour le Lamborghini, 110 kg de moins, ça joue hein, forcément. Hein. C'est énorme. Et deux autres points qui sont l'aérodynamisme, et là il suffit de les regarder. Ça c'est clair, ça se voit hein, de suite. Hein. Et le comportement dynamique qu'évoquait Anthony, c'est-à-dire les mouvements de caisse sur le Range Rover, mieux maintenus sur l'Urus. Bon, moi j'aimerais bien connaître mes temps sur le parcours tout terrain. Eh ben ça tombe bien, c'est moi qui les ai. Ah, les rôles sont inversés, cher ami. Voilà. Alors moi j'aimerais bien connaître le temps du Range Rover. Eh ben ça tombe bien, je vais t'annoncer le temps de la Lamborghini. Ah, t'en profites. Hein. T'as fait 1 minute 16 secondes et 847 millièmes. Ouais, on n'a pas trop de référence hein, sur ce... Le Range Rover, tu as dit que c'était assez serré. Ouais. Donc c'est 1 minute, 8 secondes, 171 millièmes. Il y a 8 secondes d'écart. Ça fait un bel écart, ouais. En fait, c'est juste que ça avait l'air plus facile hein, avec le Range Rover. C'est un peu ça, hein, Olivier, hein, clairement. Hein. Effectivement, et là, on retrouve un ADN marqué sur le Range Rover en faveur du tout-terrain. Or, sur le Lamborghini, on ressent cet ADN type circuit. Donc en fait, finalement, les défauts du Range Rover sur circuit deviennent forcément ses qualités sur tout terrain. Hein. C'est aussi exactement. Simple que ça. C'est ça. C'est exactement. Ça.